Guy Gauthier. Oui. Ça fait depuis 2019 qu'il n'y a plus de carte graphique. Comment ça? Il n'y a plus de carte graphique. J'ai les cheveux blancs, mais j'ai toujours pas de carte graphique. RTX. De quoi? RTX. RTX, il n'y a pas de... Eh merci, Mathis. Si, nous sommes dans ce premier épisode des bons plans de Black Friday. Une semaine, une vidéo tous les jours. Et aujourd'hui, nous avons du chavrou, mais aussi des bons plans et des PC, des carafiques. On a tout, on y va? On peut retirer le filtre pour les cheveux, là? Le filtre? Non, c'est pas un filtre. Ah, c'est un filtre. Non, c'est pas un filtre. On y va? C'est parti! Mais avant toute chose, rapidement, on vous avait fait gagner il y a 2 semaines un setup énorme à 3 000 euros. Et on avait dit qu'on tirait le gagnant au début de cette vidéo. Comme ça, tous les autres, vous n'êtes plus en attente de savoir si vous avez gagné ou pas. Et vous pouvez profiter des bonnes promos si jamais il y en a qui vous intéressent. Et bien voilà, l'un d'entre vous va repartir maintenant avec le PC à 3 000 euros. On fait le tirage. Petit roulement de tambour, Mathis. Une seule personne. Hop! Allez. J'imagine le gars qui regarde la vidéo, quoi. Qui va gagner? Et c'est Z4RM Twitch qui a gagné. Clovis, bravo à toi. Bravo à toi, mon pote. Un champion. T'habites à Cambrai en France, et bien on va t'envoyer tout le setup par la poste. On prend contact avec toi. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé. À nouveau, il n'y a qu'un seul gagnant, mais vous avez tous votre chance. On va refaire un concours, et d'ailleurs, tous les jours du Black Friday, on achètera un produit à vous faire gagner. Mais maintenant, on va vous laisser avec les promos parce que c'est très. On y va, Mathis, on commence par quoi? Oh, des petits PC portables. Comme chaque année, on part pour une semaine. De aujourd'hui jusqu'au 26, le jour du Black Friday, on fait une vidéo tous les jours sur les bons plans, hardware, PC gamer, tech, etc. Mathis. Je l'ai sur le bout de la langue, les gars. Aujourd'hui, c'est le retour du pain béni, le retour des bons plans, des bonnes offres. C'est le moment de faire des bonnes affaires. Vous avez économisé depuis longtemps. On vous dit d'économiser pour maintenant. C'est le moment. N'oubliez pas de lâcher un petit like. On est parti pendant une semaine vidéo tous les jours et on commence directement avec les bons plans. C'est ça. Alors, tous les liens seront en description. Donc voilà, si vous voulez retrouver tout simplement les produits, vous allez dans la petite description, vous cliquez et vous pourrez directement commander. Alors, ça part très vite. Déjà ce matin, on a dû en retirer. Mais on commence, Mathis, directement. On perd pas trop de temps avec le tout premier bon plan, et on commence avec les PC portables. Une affaire incroyable, sincèrement. Darty, aujourd'hui, ils ont des super bonnes affaires en termes de PC portables. 900 euros, et vous avez une RTX 3060. C'est un truc de malade. Autant vous dire qu'une carte graphique comme ça, une 3060, ça vaut déjà sur le marché environ, je sais pas, 700 euros. C'est ça, quasiment. Et là, vous l'avez dans un PC portable à seulement 900 balles. J'ai cherché, j'ai tout regardé, il y a vraiment pas mieux. Ça vaut 1000 à 1200 d'habitude. C'est ça, excellente affaire ici. 900 euros chez Darty, c'est vrai que c'est pas mal. 144 Hz en plus l'écran, hein. Ouais, non. Donc, le PC il est incroyable à ce prix là c'est du jamais vu. Deuxième petit PC portable au même prix, mais ici on est sur de la qualité, c'est du premium. C'est vrai. Monte la charnière, Mathis. Le PC est incroyable. Il est super joli et tout. Seul truc, c'est qu'on a une graphique un petit peu moins bien, mais pas beaucoup non plus sur PC portable. On est sur la GTX 1660 Ti au lieu de la 3060. C'est ça. À vous de voir. Soit vous avez un entrée de gamme avec une très bonne carte graphique, soit un plus haut de gamme avec une carte graphique un tout petit peu moins bonne. Et on enchaîne avec deux PC portables un peu plus haut de gamme. Ici, une RTX 3070. Oh là 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 là. À nouveau, pour son prix, il est incroyable. Asus TUF. TUF, incroyable. Super bon PC portable. Avec un Ryzen 7. Donc vous avez le Ryzen 7 et la 3070. Autant vous dire que vous branchez un écran des petits périphes, vous avez un PC gamer à 1500 euros, hyper performant. C'est incroyable. Une RTX 3070 sur le marché sur Amazon, elle est à 1300 euros, alors que là vous avez un modèle un tout petit peu moins performant. Vous avez tout le reste, vous avez l'écran, le PC portable complet. Pour le prix, c'est incroyable. Sincèrement, avec la pénurie, les PC portables, c'est une bonne alternative. C'est ça, chérie du commerce. On continue avec les PC portables, et cette fois-ci il est aussi fantastique. Alors c'est vraiment un PC portable qui est hyper haut de gamme, mais j'ai envie de dire, vous prenez ce PC portable, vous êtes parti pour 5-10 ans facile, quoi. Bah là, la carte graphique, elle est incroyable. On a déjà le processeur Ryzen 9 5900H. Incroyable. Et la carte graphique, on a la RTX 3080, quoi. Incroyable. À nouveau, la carte graphique, elle vaut la blinde. Elle vaut 1600 euros. Il est super beau. Le processeur est excellent. En vrai, tu mets ça dans un PC gamer fixe, ça vaut 3000 balles. Donc, franchement, super belle promo aussi. 32 Go de RAM. Ah oui, j'avais pas vu. Dinguerie, celui-là, c'est dinguerie. 2300 euros, ça vaut la peine. On passe maintenant aux écrans. Vous savez bien, c'est important. C'est bien d'avoir un bon PC gamer. Mais il faut aussi avoir le petit écran qui suive. Alors, on a plusieurs compromis, le 144 Hz, le 2K, etc. Qu'est-ce que tu nous proposes? Vraiment, on a un peu tout aujourd'hui d'ailleurs. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. On a plein de périphériques et tout. On va commencer par les écrans et tout, mais il y a plein de périphériques à la fin. Et à la fin, on va acheter un produit aussi. Ah oui, on choisit un des meilleurs produits de la journée. Mais là, franchement, super belle promo. C'est vraiment le 144 Hz le moins cher. J'ai cherché, il n'y a pas moins cher. Ouais, Dell. Alors, c'est quoi la Dell TN? Ouais, ça passe encore. Pas mal, 24 pouces, taille parfaite. Moi, je valide. 140 euros, c'est un bon prix. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes après comme écran cette fois-ci? Incroyable. Quoi? Incroyable. Ah ouais, on l'a partagé il y a 2 jours. C'est moi qui choisis les bons plans, donc il n'est pas encore au courant. On l'a partagé il y a 2 jours. On l'a partagé à 240 euros. Exactement. On l'a partagé il y a 2 jours. Et il est parti à une vitesse folle sur LDLC. Et là, il le met sur Amazon encore moins cher. Les gars, 240 Hz, ça fait 85 centimes le hertz, quoi. Et en plus, c'est du Alienware, hein. C'est un écran Alienware blinde d'habitude. IPS, 1ms, enfin, il est parfait. Je crois qu'on a l'achat de la vidéo, Mathis. Sincèrement, je l'ajoute au panier. Non, achète. On verra à la fin si on trouve pas mieux. Mais là, franchement, c'est une pépite. On passe maintenant à, selon moi, le meilleur écran, compromis entre la résolution et le taux de rafraîchissement, pour avoir à la fois la petite la qualité et avoir la vitesse. Ici, on a un 1440p, 144 Hz, en IPS, 1ms. Et là, 300 euros, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher, ça vaut 350, presque 400 euros d'habitude. Et franchement, il est incroyable. C'est du pain béni. Ah, là, celui-là, c'est vraiment du pain béni également. En plus, il est inclinable dans tous les sens, il a des bords ultra fins. Ça, c'est vraiment
genre d'écran que je pourrais acheter aussi. Je suis en train de me demander, est-ce que ce Black Friday serait pas encore meilleur que l'année dernière? Bah franchement pour l'instant, je t'avoue que niveau composants purs, ça manque un petit peu, mais par contre tout ce qui est périphérique, setup et tout, il y a vraiment des dingueries. Alors on passe sur un petit écran, c'est quoi Millennium? Alors là, attends, je vais essayer de deviner. 380€, 4K 100Hz. Alors c'est du 144Hz, donc c'est meilleur que ce qu'on a nous également. Incurvé, 21/9 WQHD. Donc vous avez le meilleur des deux mondes, et en plus de ça, c'est incurvé, c'est 21/9. Et c'est que 80€ de plus que celui qu'on a vu avant. Donc voilà, ça dépend si vous aimez bien ou pas le fait que ce soit incurvé, mais ça peut être une très très belle promo également. On va passer maintenant au PC tout monté, et là on a des dingueries. On a été voir Memory PC. On a été en Allemagne et tout, on a dit bon, nous on veut une config hyper intéressante avec le boîtier flop, qu'est-ce que vous nous proposez? Et là ils nous ont sorti du grand jeu. On commence avec la première config à 1100€, Mathis, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors là 1100€, vous avez la GTX 1660 Ti, un Ryzen 5 3600 qui est un excellent processeur, il n'y en a plus beaucoup en stock, on a vraiment galéré à le mettre dedans mais c'est passé. Et pour le reste 16Go de RAM, 480Go de SSD, voilà, vous avez vraiment une belle petite avec config Windows, pour démarrer. Avec et il y a Windows. Celle-ci est vraiment bien pour les petits budgets, mais ce qui va suivre, vous êtes pas prêts, 1399€. Ça, c'est vraiment... Je sais même pas comment ils ont réussi à faire ça, c'est une dinguerie. Ouais, celle-là c'est vraiment une dinguerie parce que le prix arrête pas d'augmenter et les 3060 Ti c'est vraiment vraiment rare. Là on a un i5 11400, 16Go de RAM à nouveau, 480Go de SSD, mais surtout la RTX 3060 Ti, et rien que pour ça, ça vaut la peine. Avec le boîtier flop bien entendu. Ouais, toujours avec le boîtier flop. Donc là franchement merci à Memory PC, on a vraiment insisté, on leur a demandé de faire un super bon prix. C'est vrai que c'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal. Je pense. On passe maintenant aux composants, on en a pas beaucoup, mais on a le petit Ryzen 5, le 5600G avec la partie graphique intégrée. De nouveau, il coûte combien d'habitude? Alors normalement le 5600X coûte actuellement 320€, il est introuvable, ouais. Il est que à 320€. Ici on a le 5600G qui a quand même des perfs assez équivalentes, un peu ouais, moins performant, moins bien, mais, voilà. Mais pas tellement en fait. Non. On a 5% de différence en moins, donc à 250€ il faut aussi y aller. À nouveau, si jamais vous n'arriviez pas à trouver le X, et eh bien là ça peut être une super belle promo. Ça va partir très vite aussi. Hein. On continue maintenant et on passe aux souris gamer et on va commencer avec la flop challenger. Mathis, elle est où? Elle est où la petite flop? Elle est là. Moi je l'ai, je l'ai ici. On l'utilise en fait. Bah oui. On a fait une promo. Alors on ne pouvait pas descendre en dessous. Le prix de base est à 37€, c'était déjà compliqué de faire de la marge. Mais alors là à 32€, on peut pas faire mieux. Voilà. Là vraiment les gars, on se torche le cul pour vous pour le Black Friday. On fait jamais de réduction sur les produits flop, jamais de toute l'année. Et il y a que pour le Black Friday qu'on a décidé de faire des promos. Donc ça risque de partir vite si jamais vous êtes intéressé. Déjà à 36-37€, je trouve qu'elle se rank super bien. Mais alors là à 32€, voilà. C'est vraiment une tuerie. Les gars, si jamais vous hésitez à la prendre, c'est le moment parce que il y aura pas d'autres promos comme ça pendant l'année. Après il y a pas mal d'autres souris en stock. Du coup si jamais vous préférez par exemple une Logitech ici à 23€, alors c'est pas le même style. C'est la G402, pas le même capteur, mais c'est vrai que voilà, ça reste une bonne souris à 23€ pour des petits budgets. Ça peut être excellent, une super belle promo. Et on continue avec les souris. On a ça c'est incroyable. Hyper belle affaire. Alors c'est toujours un capteur qui est moins bon que la Flow Up. Hein, ouais. On va pas se le cacher. Le capteur est juste en dessous, mais on a ici la SteelSeries Rival 3. C'est un blockbuster, un best-seller, Mathis. À 25€, c'est la RGB en plus, ouais. La nouvelle version avec le petit liseré. Elle ressemble un peu à la Flow Up d'ailleurs. C'est vrai qu'ici on a de la qualité et on a la nouvelle version RGB, donc 25€. Ouais, elle est sympa. Hein. Quand t'as 8000 avis, je pense que tu peux y aller quoi. C'est ça. Ça voilà, c'est des best-sellers. Y a rien à dire. Idem pour la G502 si jamais vous l'aimez. Elle est un peu plus longue que la Flow Up, mais c'est vrai qu'elle fonctionne super bien. Ici la Hero en version noir et blanc, je la trouve magnifique. Vraiment, si jamais c'est une souris que vous voulez acheter, c'est le moment. D'habitude, elle vaut beaucoup plus que ça. Elle vaut 50€ parfois, même plus. Donc là, vraiment, n'hésitez pas. Super belle promo à nouveau. Si jamais vous voulez la G502, eh ben, c'est le moment de vous l'offrir. Exactement. Allez, on continue avec les petites souris. On a la Rival 3 Wireless. Alors, une souris wireless avec un aussi bon capteur à 42€, c'est incroyable. Oh là 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 là. La G Pro, Logitech G Pro. Tout le monde l'adore. En sans-fil. En sans-fil, ouais. Oh là là, 75€. Elle coûte combien? 150. Ouais, elle vaut vraiment la peine. Refresh un peu parce que là. Est-ce qu'elle est encore en stock? Elle est en stock. Je vous assure, les gars, moins 50% chez Logitech, c'est rare. Ouais, là, franchement, super belle affaire. À faire en or, 75€. C'est gratuit. Pourtant, vous connaissez la qualité de cette souris-là. On passe maintenant au tapis de souris Flow Up, Mathis. Ouais. Comme chaque année, on met le petit tapis RGB à 29,99€. Alors, c'est la nouvelle version. Ouais. Avec le nouveau logo, juste. Voilà. C'est pas celui-là. C'est encore l'ancienne version sur CDiscount. On les a contactés pour qu'ils modifient. Ils ont pas encore fait. C'est bien le nouveau avec le nouveau contrôleur pour le RGB et le nouveau logo, la petite vague ici en bas. Et donc, voilà, on l'a baissé de 5€, on l'a mis à 29€. Donc, franchement, si jamais vous étiez intéressé et que vous trouvez que 35€ c'était un peu cher, la 5€ moins cher, vous n'avez plus d'excuses. Exactement. Allez, on continue. On passe maintenant au casque. Et là, entrée de gamme, on va dire, c'est pas du bas de gamme, c'est de l'entrée de gamme. Chez Cooler Master, déjà à 40€, il est sur notre site FrenchCharger.fr. Ouais, c'est un casque en fait en entrée de gamme qui est hyper quali, etc. Le micro est très bien. Après, en termes de finition, c'est sûr que c'est pas du G Pro X, mais ici, le retrouver à 32€. À ce prix-là, voilà, Cooler Master, c'est vraiment très bien. Après, on a du un peu plus haut de gamme, et là, à nouveau. Oh là là. Voilà, le SteelSeries Arctis 3. 50€ quand même. C'est une tuerie. Ça, c'est pas mal, 50€. Il coûte 80 voire 100€ d'habitude, et voilà, c'est vraiment une tuerie. Il y a 3000 avis sur Amazon. Il est également disponible en blanc. On mettra les deux liens d'inscription. Une affaire en or, hein, voilà. C'est avec le petit micro. Moi, je trouve ça trop stylé. Regarde, tu peux montrer. Ah ouais, non, avec le petit micro qu'on peut enlever, rétractable. Et c'est une valeur sûre, on peut dire. On peut le dire. T'en veux une autre de valeur sûre? La plus chère. Voilà. Quoi? Voilà. 49€, mon gars, le HyperX Club 2. Ouais, chez Boulanger. Alors là, les casques, je sais pas ce qu'ils ont fait avec les casques, mais c'est quoi, je vais chercher. Une affaire en or, y a rien à dire.
Je peux me permettre le petit jeu de mots? Ouais, je chez Boulanger, il y a du pain béni. Ah bah oh, joli ça, Mathis. Regardez, il est là, le petit HyperX, il est magnifique. La qualité est vraiment top, je vous fais un petit tour. Pam, bah vous pam. Le connaissez, on doit même pas le vendre. Et là aussi, hein. Là ils sont vraiment tous au même prix, vous choisissez celui que vous préférez. Moi j'ai ma petite préférence pour le Artist 3, mais là, le Fnatic React, à nouveau. Alors il est un peu moins cher que les autres, il coûte 75€ environ en général. Mais là voilà, on le retrouve à 50€. Très très belle affaire à nouveau. Très, je sais qu'il y a beaucoup affaire. De gens qui l'aiment. À dire. Décidément, c'est un peu la journée casque aujourd'hui. C'est le là. Tout nouveau casque qui vient de sortir de chez Logitech, le G435. Vitality l'utilise, il y a plein d'YouTubeurs. Streamer qui l'utilise, il vient de sortir. Ouais. C'est un sans fil, donc un sans fil à ce prix-là, c'est pas mal. Ah bah ça, c'est un casque qui est à la fois bon pour aller sortir dehors, prendre le tram ou quoi, ou pour jouer en sans fil partout. Moi j'adore, moi je trouve voilà. que c'est une belle affaire. Allez, on passe maintenant au best-seller, le meilleur des ventes. Ben voilà, meilleur des ventes. Le G Pro X, alors c'est pas la version wireless parce qu'elle coûte 140€, ouais. mais c'est la version normale. Alors 129€, c'est absolument faux, il ouais. coûte pas énormément, il coûte 100€. Mais le retrouver 13€ moins cher, c'est pas mal, 87€. C'est vrai. Valeur sûre aussi en termes de qualité sonore. On va vraiment chercher la petite pépite quoi. On a le tapis RGB. Mais on a aussi le tapis non RGB en blanc. Alors il est dans le décor, on va pas montrer tous les produits. On l'a mis à 25 au lieu de 30€. Guillaume l'utilise, Discover ID l'utilise. Ils adorent, donc là c'est vrai que c'est une valeur sûre. Petite couture blanche, ça change, donc très très beau. Tu peux montrer la petite couture, Mathis. Oui, la petite couture, on est vraiment sur de la qualité flow. Exactement, exactement, regardez-moi cette petite couture magnifique. Là franchement on a fait un effort sur les prix des deux tapis. Là vous avez pas d'excuses hein, les gars. On passe maintenant au clavier, alors on n'a pas beaucoup de choses malheureusement, ça va. Mais on a quand même des petites dingueries, surtout des petites références. Logitech comme à chaque Black Friday, que ce soit en termes de souris, de casque, de tout en fait, ils nous font des petites promos. Et donc là, 50€ pour le G413, c'est un clavier qui est mécanique, il faut le dire. En full size en plus, qualité aluminium, très très belle qualité. Rien à dire, super belle promo ici aussi. Idem pour celui-là, voilà, il est à 60€, le Black Widow V3, Tekkenless. Je l'ai mis sur le site FrenchWack.fr. Franchement, pour un clavier TKL, c'est pas très cher, c'est avec les Switch Razer, je crois, les Purple. Franchement, super bon clavier. Là aussi, grosse grosse promo. C'est hein. ça, surtout si vous avez d'autres périphériques Razer, etc., vous pouvez faire le petit écosystème. Tout à fait. On va chez nos amis CyberTech ici, petite promo. Ce genre de clavier, c'est un peu pour un setup bien spécifique, je sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire ouais. avec des touches un peu plus claires et plus foncées, avec le petit liseré RGB, 70€ en mécanique, c'est pas mal aussi. J'apprécie. Moi j'ai une préférence quand même pour le petit Razer, je trouve qu'il ouais. est vraiment pas cher, mais clairement. Pourquoi pas aussi. Non, très très belle promo ça aussi. Allez, on continue avec le Huntsman Tournament. Là aussi c'est un clavier qui coûte très très cher d'habitude, il coûte optique. 150€, clavier optique et tout, moi j'adore, on a dire, il fait le taf. À nouveau, si jamais vous hésitiez à l'acheter, eh bien là à 100€ ça vaut peut-être la peine, donc n'hésitez pas à aller voir. Exactement, allez on continue directement. Je vais refresh parce que les autres rames sont parties. Part mais ce matin à 49€ on avait 2x8Go en balistique. C'est parti après 3 heures. Même nous, on en a commandé pour des vidéos, etc. C'est donc ici, il nous reste que la RGB. Je laisse 2-3€ produit pour rester. Mais en tout cas, 65€, 16Go en 3200 MHz en RGB. C'est également de la baguette bénie, Mathis. Ah là, c'est de la baguette de pain, de la baguette bénie de 65€. Très très belle affaire aussi. En vrai, je vous ai un peu eu. C'est vrai qu'il en reste quand même sur Amazon.fr. Ouais. Mais cette fois-ci en blanc et sans RGB à 53€, Mathis. Oh là 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 là. T'as vu, il y a combien d'avis? 15 000 avis. 15 000 avis. 15 000 avis. C'est une tuerie. En blanc, c'est hyper stylé en plus. C'est, et c'est même pas du mat. C'est du blanc un peu mat métallisé comme ça, donc ça donne très très bien. J'ai une fille avec les cartes mères, une petite B550 à 160€, c'est du haut de gamme, ça vaut 200 ouais, balles Strix. D'habitude. Une belle Strix, elle existe aussi en version Wi-Fi. Et au niveau du stockage, on a encore oh des là belles là. Petites dingueries. Un SSD comme ça, tu peux l'utiliser pour un PC à 2000€, donc clairement ça vaut la peine, 70€, c'est très très bon. Très très belle. Des NVMe comme ça aussi rapide, 3500 mégaoctets par seconde, celui-là euros. Il est incroyable pour 84€. Et puis on a le Crucial, un tout petit peu moins cher, en Tera il est à 73€, donc un NVMe au prix d'un 2,5 pouces, et où on a le 250Go ou même le 500Go, que des belles affaires. Ça aussi, n'hésitez pas là, si vous cherchez un petit NVMe. Et on finit avec celui-là, voilà, 480Go à 43€. C'est ça, il est à 48€. Donc là, franchement, si jamais vous cherchiez du stockage en NVMe, c'est le bon moment aussi pour passer dessus. Bah, j'ai envie de dire, si vous cherchez tout, parce que là, on a fait PC portable, écran, clavier, PC gamer, on a tout fait en fait. Ouais. Tu peux monter ton setup maintenant quoi. Et je rappelle, dans chaque épisode, on va acheter un produit. Alors, c'est pas pour surconsommer ou quoi que ce soit, c'est pour tout simplement faire plaisir à l'un d'entre vous. Après la série Black Friday, on va faire une vidéo donc setup et on fera gagner tout le setup avec c'est le ça. PC. Donc, voilà. On commence par l'écran aujourd'hui et là, le gagnant il aura vraiment du lourd. Hein. En tout cas, un tout grand merci d'avoir suivi ce premier épisode. On se donne rendez-vous demain. Dès demain, les gars. Pour le deuxième épisode. J'espère qu'il y aura des carafites cette fois-ci. Ah, oh, ça m'étonnerait. Hein. Ça va être compliqué, mais quoique. En tous les cas, on vous partagera tous les bons plans. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous recherchez. Si jamais il y a des choses que vous cherchez, là, on n'avait pas beaucoup de chaises. Si jamais vous voulez absolument des chaises et que vous êtes beaucoup à le demander en commentaire, j'essaierai d'en trouver pour demain. Les gars, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Prenez soin de vous et à demain. Allez, à plus.